السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مشاهدينا قناة ماط بنتوك إذا ابتداء من, من الآن غادي نقوم بمراجعة شاملة لكل الدروس اللي كتتعلق بالدورة الأولى يعني كان غادي نستعدو باش نكونو جاهزين أننا ندوزو الامتحان الموحد على الصعيد المؤسسة اللي كيشكل خمسين في المية حاولو يعني تركزو معايا مزيان ابتداء من اليوم يمكنني يعني اليوم غادي نبقى ندير مورا... ندير فيديوهات اللي كتعلق بالدروس ديال الدوره الاولى ابتداءا من الدرس الاول الى الدرس الاخير حاولوا تبقاو معي في اول فيديو اللي كيتعلق بالجذور المربعه وتعلق كذلك بال الكتابه العلميه اذا ركزوا معي مزيان ومرحبا بكم من جديد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو اذا في هذه الحصه غادي نديرو واحد المراجعه شامله للدوره الاولى غادي نبداو من الدرس الاول لي غاسين كاري و لي كريتور ساينتيفيك اي لي بويسونس دونك غادي نوجدوا الامتحان الموحد اللي كيكون على صعيد المؤسسه اللي عليه 50% لانه يعني هو امتحان مهم بزاف غادي نبداو على بركه الله كالكولي ا و بي ا Racine de 6 plus 2, racine de 25. B, 2 sur 3, le taux à la puissance moins 2, moins racine de 5 sur 2, le taux à la puissance 2. Le tout à la puissance 2018. Deuxième question, donner l'écriture scientifique, C, 0,0015 fois 43 fois 10 à la puissance moins 6. Troisième question, simplifier D, Racine de 12 plus 5 racine de 3 moins racine de 75. la Question numéro 1. A. Ah. On a racine de 6 plus 2 racine de 25. On sait que racine de 25 est égal à 5. Racine de 25 est égal à, est égal à 5. Alors, racine. 6, 6, plus 2. Fois racine de 25, c'est racine de 5 à la puissance 2. On supprime l'exposant 2 avec le radical, le reste c'est 5. Donc, fois, fois 5 est égal à racine de donc 6 plus 2. Normalement, on effectue d'abord le produit. Donc, euh, le produit, ou alors on va dire 6 plus 2 fois 5, c'est 10 là c'est pour la somme donc ça dure le temps normalement on dit même quand c'est pour le produit est ce qu'on a des opérations fait à l'addition et la multiplication ou bien la soustraction ou la multiplication on dit même quand c'est pour le produit ou le ou le cas c'est pour le jumeau ou le tirage donc le drap ou le casma qui jume qui c'est pour le jumeau ou le tirage il en a il y a racine de égal à racine de seize donc racine de 16 est égal à tout simplement 4. alors a est égal, à, est égal à 4. On passe maintenant à la deuxième expression. B. Alors B, on a 2 sur 3, racine, euh, pardon, 2 sur 3 le tout à la puissance moins 2. Donc il a pu éliminer hein, l'exposant négatif. négatif, radine radine changer la base donc machiadi change donc radine radine la base donc la base il l'inverse donc l'inverse de 2 sur 3 c'est 3 sur 2 le tout à la puissance 2 d'accord donc il a la a a sur b normalement c'est donc il a la... a sur b le tout à la puissance moins n alors b sur a le tout à la puissance n donc c'est égal à b sur a le tout à la puissance. Donc ça fait que la base de la base, le signe de l'exposant change. Vous savez, donc il y a 3 sur 2 le tout à la puissance 2. Bien. Alors, b, 3 sur 2, le tout à la puissance 2, moins. On a calculé. Racine de 5 sur 2 fois racine de 5 sur 2 est égal à 5 sur 4. Donc racine de 5 à la puissance 2 c'est 5. Divisé par 2 à la puissance 2 c'est 4. Le tout à la puissance de 2018. Alors P est égal. Donc 3 à la puissance 2 c'est 9. Sur 2 à la puissance 2 c'est 4. Moins 5 sur, sur 4. Le tout à la puissance de 2018. Pardon, 2018. Bien. Alors, les deux fractions ont le même dénominateur. Alors, en addition les numérateurs, 9 plus moins, moins 5, le tout sur, sur 4. Le tout à la puissance 2000, 2018. Alors, égal. 9 moins 5 est égal à 4 sur 4. Le tout à la puissance 2000-2018 est égal 4 sur 4 est égal à 1 à la puissance 2000-2018. Tout simplement est égal à 1. Donc 1 fois 1 fois 1 fois 1. 2018 fois. Est égal à 1. Est égal à 1. Deuxième question donner l'écriture scientifique de C. 0,00015 fois 43 fois 10 à la puissance moins 6. On sait que l'écriture scientifique s'écrit sous forme de sous forme de euh, a fois 10 à la puissance n avec a encadré entre 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 euh, entre 9 et 1 entre 9 entre 9 et 1. D'accord Bien. A, c'est un nombre, euh, nombre réel. A, c'est un nombre réel. Bien. Alors, euh, 0,0015. On décale la virgule vers, vers la droite. Donc, par, euh, par 5 nombres. Donc, x10 à la puissance moins 1, x10 à la puissance moins 2. Fois 10 à la puissance moins 3 fois 10 à la puissance moins 4 fois 10 à la puissance moins 5. D'accord? Alors c'est 15. Alors c'est 15 fois 10 à la puissance moins 5. Fois 43 fois 10 à la puissance moins 6. Alors C est égal à 15 fois 43 fois 10 à la puissance moins 5 plus moins 6 alors c est égal 15 fois 43 est égal à 600 euh, 40 45 fois 10 à la puissance moins 5 plus moins 6 est égal à moins 11 bien alors, normalement, on sait que, que A encadré entre 1 et 9. Alors, 645 n'appartient pas à l'intervalle 1-9. Alors, on, normalement, on a la virgule ici. Alors, on décale la virgule vers la gauche entre 6 et 4. Alors, pour décaler la virgule vers la gauche par deux nombres, alors on multiplie 6. Fois 45 fois 10 à la puissance 2. Donc fois 10 à la puissance 1 fois 10 à la puissance moins 2. Donc normalement la virgule, est-ce qu'on a dit normalement? Alors c'est 6,45 fois 10 à la puissance 2 fois, fois 10 à la puissance moins 11. 10 à la puissance moins 11. Alors c'est égal à 6,45 fois 10 à la puissance 2 plus moins 11. 2 moins 11 est égal à moins 9. Alors c'est égal à 6,45 fois, fois 10 à la puissance moins 9. On passe maintenant... La question numéro 3. Simplifie D. On a D racine de 12 plus 5 racine de 3 moins racine de 75. Alors, on a ici racine de 3. Alors, 12 divisé par 3, c'est 4. Et 75 divisé par 3, c'est 25. Alors, on a racine remplacé 3 fois 4. Racine de 3 fois 4. On a racine de 25 fois 5. Euh, pardon, fois 3. Normalement, il a des 3. Donc, il que tu as le nombre 3. Il est divisé par 3, divisé par 3. Il 3 parce que tu as. Alors, D. Racine de 4 fois 3. Plus. 5 racine de, de 3. Moins. Racine de 25 x fois, fois 3. Alors. D égale racine de 4 fois racine de 3 plus 5 racine de 3 moins racine de 25 fois racine de, de 3. Alors t est égal racine de 4 est égale à 2. 2 fois racine de 3 plus 5 racine de 3 moins Racine de 25 est égale à 5. 5 racine de, de 3. Alors, le facteur commun, c'est racine, racine de 3. On factorise par racine de 3. Facteur 2. Plus, plus. 5, 5. Moins, moins. 5. Alors, D égale. 2 plus. 5 c'est 7. 7 moins 5 est égal à 2. Donc normalement on a est égal, égal, égal à 2. Alors 2 fois racine de 3 c'est 2. Racine de 3. Et t est égal à 2 racine de 3. Et dans 4 minutes, vous partager une vidéo, vous حاولوا يعني تعاودوا تضبطوا هذا الشيء هذا مزيان حاولوا تعاودوا لي بوحدكم حاولوا تفرجوا في الفيديو وحاولوا تكتبوا التمرين وتعاودوا تخدموه بوحدكم باش تفهموه مزيان وبالتوفيق لكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته